Bon, c'est parti pour l'aménagement du camion. Il va y avoir certainement plusieurs épisodes. Dans ce premier épisode, on va s'intéresser au rétroviseur qui est cassé, on va le changer. On va ensuite parler caméra de surveillance. Pour l'instant, elle est sur une base aimantée, je vous explique tout à l'heure. On la met là, elle ne gêne pas. L'éclairage, on va ajouter des rampes LED au camion. Et à la fin de cet épisode, je vous explique pour le plancher, puisque j'aimerais faire une rampe qui coulisse. Je vais vous montrer le rail que j'ai utilisé. Et dans un prochain épisode, on s'intéressera au plancher et l'aménagement de ce côté. Je vous l'ai dit, dans cet épisode, c'est rétroviseur, la caméra, les rampes LED, et ce sera déjà pas mal. Bon, c'est parti pour la découverte du camion, ça m'a été tant demandé. Et voilà, l'intérieur, vous voyez, il n'y a absolument rien, si ce n'est un plancher en MDF qui est complètement abîmé. Parce que le MDF et l'eau, ça ne fait pas bon ménage. Donc quand vous avez les pieds mouillés, vous montez dedans, ça boit toute l'eau, c'est une vraie éponge. Les coffres sur les côtés, c'est pareil, je vais les refaire, parce que ça ne tient absolument pas. L'habillage, là, je sais pas trop. L'idée, c'est d'habiller tout ce côté. Et ensuite, faire un plancher d'environ 6-7 cm en hauteur et une rampe qui coulisse. Donc la rampe sur toute la longueur du camion et on la sort complètement pour pouvoir monter avec un chariot, une brouette, peu importe. La porte latérale, je veux la conserver puisque je m'en sers régulièrement. Donc je n'aménage absolument pas ce côté. Uniquement ce côté qui viendra sur le plancher et en dessous la rampe. Donc à l'époque j'avais mis les tubes en PVC. Je sais pas si je vais conserver l'idée, pour l'instant je vais les enlever, on verra. Je rangeais le balai dedans, une règle en alu, ici il était troisième main qui a disparu. Le marchepied sur le coffre, je sais pas si je vais conserver l'idée, mais j'ai un nouvel escabeau que je vais vous montrer qui ne prend absolument pas de place, donc l'idée ça va être de le caser quelque part. On en reparlera tout à l'heure. Et je vais aussi mettre l'éclairage. J'ai acheté des petites rampes LED. On va les installer. Et également la caméra que je veux coller soit ici, soit là. On va voir ça également tout à l'heure. Pour l'instant, je vais prendre le mètre. On va mesurer la longueur, la largeur pour ceux que ça intéresse. En sachant que c'est un L2H1. Donc H1 en hauteur, L2 en longueur. Bon, je vais commencer par vous donner les dimensions. Ça peut vous donner un ordre d'idée si vous êtes intéressé par ce genre de véhicule. C'est un L2H1. Alors, peu importe la marque, c'est à peu près les mêmes gabarits. Il existe le même en L1H1 qui sera légèrement plus court. Moi, j'avais pris le L2 tout simplement pour la plaque de plâtre, que je puisse la rentrer d'une seule traite dans le camion, que ce soit à plat ou debout. Je m'étais vraiment basé là-dessus. Je ferme les portes et je suis tranquille. Donc, on va commencer par la hauteur au point le plus bas. J'ai 1m30 et là 1m35 avec mon tube, donc 1m30 au point le plus bas, donc ici jusqu'au plancher, en sachant que moi après je vais rajouter
Je vous l'ai dit, mon plancher avec la rampe, donc je vais perdre en hauteur, mais normalement 1m20, je dois les conserver pour ma plaque de plâtre. Donc 1m30 au point le plus bas, en largeur, je prends le point le plus haut, puisque c'est légèrement courbé, et j'ai 1m60, et si je prends 1m65, aux points les plus larges. Au niveau du coffre, 1m22. De roue à rouge et 1m22. Alors la plaque de plâtre passe puisqu'elle fait 1m20, on peut la mettre à plat. Et en longueur, alors en longueur, en sachant que je vais me baser sur le liseré blanc que vous voyez, qui est en dessous de la partie noire, c'est vraiment le point le plus bas. J'ai 10-15 cm et ensuite la tôle épouse la forme du siège, donc on perd en longueur. On perd environ 30 cm, il faut le savoir. Mais bon, 30 cm, en sachant que là, si je mesure 2,90 m en longueur et je peux fermer les portes. Et je perds au point le plus haut qu'on voit, c'est au niveau ici. Je perds 30 cm, j'ai 2,60 m. Je les avais déjà mesurés, donc 2,60 m ici sur un L2. Je peux mettre une plaque de plâtre debout, ça rentre. C'est une plaque de 2,50 m, voire même 2,60 m. Je peux fermer les portes. Alors peut-être pas 2,60 m, j'ai une bêtise qu'ici ça part en biais. On va dire 2,50 m, c'est sûr que ça passe. J'en ai déjà rentré, donc pas de souci là-dessus. Sinon vous les mettez à plat et vous avez que 15 cm. Donc 15 cm de plaque de plâtre, ça vous fait aller une dizaine de plaques que vous pouvez mettre à plat. Vous savez tout, on va s'intéresser pour commencer à la caméra et ensuite on fera l'éclairage, en sachant que l'éclairage me servira pour faire l'aménagement du plancher et de ce côté. Donc je commence par la caméra, je vous montre et je vais la poser sur une base aimantée que je puisse la déplacer en fonction de l'aménagement, en fonction de ce que je rentre dans le camion. Bon, la caméra est sur sa base aimantée, on y reviendra tout à l'heure avec l'application, les téléphones, carte SIM, 4G, 5G, tout ce que vous voulez. Donc base aimantée, je peux la placer où je veux. En fonction des éléments, je me dirais bah, dans cet angle, c'est adapté, je la fixe définitivement, je vous montrerai. Pour l'instant, on s'intéresse aux réglettes LED, tout ce qui est le plus classique. J'ai pris ça sur Amazon, il y a même un interrupteur. Donc vous avez le lien dans la description, j'en ai acheté 3 et je ne vais pas les positionner au niveau du plafonnier, je vais les mettre ici sur ce renfort tout le long. Alors pourquoi ici? Bien tout simplement parce qu'elles sont protégées. Si je les mets au niveau du plafond, je vais perdre en hauteur. Le plancher, je vais le rehausser pour la rampe qui coulisse. Donc je vais perdre en hauteur, je viens de vous le dire. Ici, c'est protégé, je ne mets jamais rien et ça va m'éclairer ce panneau qui va être aménagé. Donc c'est un double avantage.
Donc on en met 3, je prends la caméra, je vous montre par où je suis passé au niveau des câbles. Il y a une goulotte, la goulotte grise que vous voyez, on peut également s'en servir. Moi je m'en suis servi pour passer le câble, hop, et ça repasse dans le renfort qui est juste au-dessus de moi. Et je récupère ici tous mes câbles. Alors ça se passe très bien, il y a certains endroits où ça bloque un petit peu, on récupère ça facilement. Il faut avoir des doigts assez fins, ça passe, mais il faut faire attention de ne pas se couper. Mettez des gants au pire. Donc on installe ensuite les réglettes, une fois que les câbles sont passés, avec ce type de fixation, avec de la vis autoforeuse, ou alors il y a un autocollant. Je ne vais pas m'en servir de l'autocollant, et bien tout simplement parce que le jour où je veux déplacer les éclairages où je vais en rajouter, il va falloir que je gratte la tôle, je vais la rayer. Donc je préfère faire un trou, des trous il y en a partout dans les renforts, donc ça ne se verra pas. Je peux même mettre un insert avec un boulon, parce qu'il y a un trou. Mes vis autoforeuses, ça va le faire. Ok, je vous filme le passage des câbles, je vous explique tout, et ensuite on fixe les réglettes, et c'est terminé. Bon, au niveau du câblage, on a un moins et deux plus. Je conserve dans mon cas la temporisation, puisque je laisse les portes ouvertes du camion. J'ai juste besoin de rajouter de l'éclairage lorsqu'il fait nuit, histoire de voir clair pour ranger les outils. Mais vous, si vous voulez un éclairage permanent, il faudra faire un autre câblage. Vous pouvez même rajouter un interrupteur. Ou pourquoi pas, elle est où la prise? Elle est ici. Il y a souvent des prises 12 volts à l'intérieur des fourgons. Donc vous pouvez vous en servir et refaire un autre câblage. Donc moi, je conserve la temporisation. Je me suis repiqué donc, sur le plafonnier. J'ai passé mon câble dans le renfort. Il ressort ici. Parce que je vais mettre une réglette là. Et ensuite, j'ai la goulotte. Donc la goulotte, je m'en suis servi pour passer hop, dans le renfort au niveau du plafond. Le câble est ici et on arrive jusque là-bas. Donc ça se passe très bien parce que c'est assez épais. Et ensuite, on file ici, deuxième réglette. Et on file jusque là-bas, troisième réglette. Donc une réglette, deux réglettes. Et je vais en mettre une au final ici, histoire d'éclairer dans ce sens. Parce que au départ, je voulais tout mettre ici, mais là, deux, ça suffit largement. J'ai fait un test et ça éclaire très très bien. Donc on fixe les réglettes et on voit ce que ça donne. We'll be right back.
Donc là, on se fait un test juste avec le plafonnier d'origine. Hop, je referme la porte derrière moi. Donc là, c'est l'éclairage juste avec le plafonnier d'origine. Vous voyez qu'on ne voit pas grand-chose. Toutes les remplettes sont éteintes. Donc maintenant, on va refaire le même test en rentrant dans le camion avec l'éclairage LED allumé plus le plafonnier. Second test avec le plafonnier d'origine et les trois remplettes qu'on vient d'installer. Je referme la porte derrière moi. On y voit bien plus clair. Les plafonniers d'origine sont allumés, les lampes LED. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de scintillement. Je peux les filmer. Et on y voit carrément plus clair. Maintenant, troisième test. J'ai éteint les plafonniers d'origine et je conserve uniquement les rampes LED. Eh bien, on y voit tout aussi clair. Les plafonniers d'origine, à la limite, on pourrait les arrêter, ne servent pas à grand chose. On voit bien mieux avec ces trois rampes LED et le plafonnier. Hop, on peut le remettre. Mais il ne sert pas à grand chose. Bon, je reste dans le camion quelques instants. J'ai refermé la porte. Normalement, la temporisation va arrêter les plafonniers et les rampes LED. Vous allez voir le résultat. Pour ceux que ça intéresse, le cap que j'ai passé, c'est du 2x0,75. Ça ne sert à rien de prendre une section supérieure. Là, c'est du 12 volts. On peut même descendre en dessous. Ça marcherait de la même façon. Donc là, tout s'éteint. La temporisation, c'est terminé. J'ouvre la porte et ça va se rallumer. Hop, impeccable, tout fonctionne. Donc après, vous pouvez le mettre en direct, mettre un interrupteur, refaire un circuit, faire l'aménagement que vous voulez. Tout est possible avec du 12 volts, le plafonnier, les rampes LED, vous faites à votre sauce. Bon, pour en terminer avec l'éclairage et les câbles, je vous l'ai dit, si 2x0,75, ça suffit largement. Il y a des wagos, je pourrais tout rentrer comme ça là-dedans, ça ne me plaît pas. Scotch ou gaine thermorétractable. Le problème, c'est que ma gaine est un peu grande et j'en ai pas en dessous de diamètre inférieur. Donc on va se débrouiller avec ce qu'on a, et si je vois que ça fonctionne, et bien je laisse ça comme ça, sinon je vais mettre du scotch en attendant, puis j'ai racheté de la gaine thermo. La gaine thermo, il suffit d'approcher une source de chaleur, décapeur thermique, briquet, chalumeau, ce que vous voulez. Il ne faut pas tout brûler, ni le bois derrière. Juste approcher légèrement la source de chaleur pour faire fondre la gaine thermo. Et elle va se rétracter autour des wagos, des câbles, etc. On fait le test, et si ça ne marche pas parce qu'elle est trop grosse en diamètre, eh bien, je prendrai du scotch en attendant. Eh bien, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça s'est rétracté, ça a protégé mes wagos, mes câbles. Je peux maintenant tout mettre dans les renforts. C'est bon. Il me reste à faire une, deux, trois. Trois autres gaines et c'est terminé. Bon, pour la lumière dans le camion, c'est terminé. On revient à la caméra. Je vais vous expliquer comment la configurer, comment l'installer, avoir un réseau Wi-Fi dans le camion. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous remontre le carton, le visuel. La vraie référence est ici. PPIC 90000F. Vous avez le lien dans la description. Qui renvoie sur le site d'Abus ou d'Abus parce qu'ils font plein de choses. Alors, Abus ou Abus, je ne sais pas comment on le prononce. On va dire Abus. Ils font plein de choses. Ils font, moi je les connaissais pour les cadenas, les antivols. Ils font des cadenas, de la vidéosurveillance, système d'alarme, cylindre de sécurité, sécurité de porte, protection des fenêtres, détecteur de danger, contrôle d'accès, casque de vélo, antivol pour vélo. Donc le panel est très large. En gros, ils font dans la sécurité. Donc la caméra,
On va s'en servir pour la sécurité du camion parce que je laisse souvent les portes ouvertes et j'ai pas envie que quelqu'un rentre dans le camion et me pique mes affaires. Donc je serai alerté par une éventuelle présence. J'interviens souvent dans des maisons individuelles, mais c'est justement là où est le danger parce que je suis en pleine confiance, c'est sur un terrain, mais quelqu'un de la rue peut repérer mon petit manège, va voir que je laisse les portes ouvertes et il va se dire bah lui il est pas là pendant tant de temps. Je rentre, je me sers, je fais ce que je veux. L'alarme, je ne peux pas activer l'alarme du camion puisque les portes sont ouvertes. Donc l'idée, c'est d'être alerté en temps réel avec une caméra qui va me signaler une présence. Elle va être fixée avec des vis autophoreuses, donc au pire, bah, il va donner un coup dedans et puis c'est tout ce qui va se passer. Ça va m'alerter sur le téléphone, j'ai le temps de descendre et de voir ce qui se passe. La caméra, la base, USB, téléphone, donc comment ça fonctionne ? Vous avez un opérateur téléphonique. Moi, je suis chez Orange. Ça pourrait être Bouygues, SFR, peu importe. Il y a ce qu'on appelle l'option carte jumelle. Alors après, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec tout ça, vous pouvez prendre un forfait chez n'importe qui, le moins cher possible. C'est histoire d'avoir un réseau 4G. Et ensuite, de transformer le réseau 4G en point d'accès mobile. En fait, on va faire un partage de connexion. Donc moi, je suis chez Orange, j'ai ce qu'on appelle l'option carte jumelle qui ne me coûte absolument rien par mois. C'est 0€. Et je peux doubler ma carte SIM. C'est-à-dire que dans mon téléphone principal, j'ai ma carte principale, j'ai pris l'option carte jumelle, je mets l'autre carte dans un autre téléphone. Je reçois les appels en même temps sur les deux téléphones, les SMS, le réseau 4G, etc. Donc pour 0€, vous récupérez un vieux téléphone. Ce téléphone, il va nous servir en gros de modem. Point d'accès, donc on va le transformer. Je vais vous montrer. Alors là, c'est un Android, hein. Sous iOS, ce serait pareil. On va dans les paramètres. On va dans connexion, point d'accès mobile et modem, on active le point d'accès mobile et on transforme donc le téléphone en box internet. Et on va pouvoir connecter la base et la caméra sur ce téléphone, ce réseau 4G qui est transformé en réseau Wi-Fi. Ok, donc ensuite sur votre téléphone, on va devoir installer la caméra. On a une application qui est ici. App2Cam Plus, je vous mets un petit visuel et le lien dans la description. On appuie, ça ouvre l'application et donc ça va nous demander d'installer la caméra, ajouter un nouvel appareil. Donc il faut suivre la procédure, c'est très simple. Vous voyez, vous avez des dessins, on vous demande quelle caméra. Moi, c'est une caméra sur batterie, nouvelle caméra. Il vous explique les étapes d'installation, de scanner le QR code. On va le faire ensemble, allez, hop, scanner QR code. Et ensuite, sélectionner le Wi-Fi. Donc, je vais prendre le Wi-Fi du téléphone, du vieux téléphone, entre guillemets. Ça sert à de mettre un téléphone neuf caché dans le camion, relié en USB. OK, parce qu'il va falloir tout brancher en USB. Vous prenez un chargeur allume-cigare, vous branchez une rallonge USB, vous me cachez ça quelque part. Je ne vais pas vous dire où cacher un vieux téléphone et une base qui, vous voyez, qui tient dans ma main dans le camion. Il y a des planques de partout. Je vous fais confiance. Donc ensuite, on installe le réseau, procédure classique, il détecte la caméra, on synchronise, on appuie sur le bouton appairer, ça va synchroniser avec la caméra. Moi, je l'ai déjà fait sur le téléphone, tout fonctionne. Ensuite, bah, vous voyez, elle est allumée ici. Hop, vous allez voir, ça va clignoter quelque part. Hop, voilà, c'est allumé. Ça fonctionne. Donc ensuite, une fois que tout est paramétré, vous prenez, je vous l'ai dit, la base, le téléphone, on planque tout dans le camion. On installe l'application, on pose la caméra définitivement et vous êtes alerté en temps réel dès que quelqu'un rentre dans votre camion. Le vol sur chantier, ça arrive fréquemment, surtout quand il y a d'autres artisans, d'autres corps d'État qui interviennent en plus de vous sur un chantier. Il faut tout verrouiller, vérifier que vous avez toutes vos mallettes dans la pièce dans laquelle vous travaillez. Malheureusement, on ne peut pas faire confiance à tout le monde et c'est malheureux parce que la plupart des artisans, on se connaît, on se croise chez les fournisseurs, mais le vol d'outils, ça existe et c'est vraiment dommage entre artisans, surtout dans des petites villes. Mais bon, c'est comme ça, il y a des gens qui ont envie de se servir, ben, qui se servent, mais maintenant, on sera averti en temps réel. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous laissez les portes ouvertes du camion, ce qui est mon cas, eh bien malheureusement, on ne peut pas activer l'alarme. Donc il faudra avoir un Doberman en présence ou un gars du GIGN sur le toit après à faire feu, mais c'est pas possible. Donc une petite caméra et vous allez tout voir sur l'écran en temps réel. Avec la caméra, une alerte, boum, vous voyez ce qui s'est passé. Et ça enregistre également sur la carte SD
qui se trouve dans la base. Ok ? Vous savez tout, on y reviendra lorsque tout sera configuré au niveau de l'aménagement. Je replacerai la caméra et je vous montrerai l'écran du téléphone qui filmera en direct le camion. Mais pour l'instant, il faut que je trouve le bon angle. Dernière chose, je vous montre le rail qu'on va utiliser. C'est ce rail, alors celui-là c'est une chute mais il est quand même assez long, vous voyez. L'idée, c'est de le mettre à plat dans ce sens-là. Donc un de chaque côté, hop, je l'ai rattrapé de justesse. Un de chaque côté et de passer dedans un écrou, une rondelle ici et de faire coulisser la structure qu'on va fabriquer. Vous allez voir tout ça. Alors il y a plusieurs solutions, je vous en parlerai la semaine prochaine. On va faire notre structure et sur cette structure on va pouvoir mettre du contreplaqué, enfin cacher toute la structure avec du contreplaqué. Je ne cherche pas à faire quelque chose de très large. Si ça fait 50-60 cm, maxi 70, ça me convient parfaitement. C'est histoire de pouvoir monter avec une brouette ou un plateau à roulettes, n'importe quoi. Et je pourrais même m'en servir en tant qu'établi. C'est-à-dire que je vais sortir la structure et je vais faire un système de pied qui se rabat et j'aurai donc, entre guillemets, cet établi pour pouvoir bosser derrière mon camion. Et l'idée, c'est vraiment de faire toute la longueur, de sortir au moins 3 mètres. 3 mètres si j'ai besoin de monter avec une brouette. Si j'ai besoin de bosser dessus, je sors 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, peu importe. Mais voilà, double fonction, rampe et établi. Vous savez tout pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Comme d'hab, si ça vous a plu, le pouce bleu, on partage, les commentaires, vous connaissez la chanson. En attendant, portez-vous bien, bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine.